Bienvenue sur cette vidéo présentation de logiciel. Aujourd'hui, je vais vous montrer une application qui permet de bloquer les publicités et les traceurs sur Android. Elle s'appelle Blockada et comme vous pouvez le constater, vous pouvez le constater en haut à droite, en on va dire 3-4 jours, elle m'a bloqué 5600 voilà, 70 hôtes. Donc en gros, c'est des traceurs, c'est des publicités majoritairement. Et vous voyez que là, ça chôme pas, 5000 connexions vers l'extérieur ont été bloquées. Cette application permet de créer des listes noires. Tout simplement, en gros, vous pouvez cocher ou non des listes qui ont été créées par la communauté. Ou vous laissez celle qui est par défaut. Vous pouvez en importer depuis uBlock, Origin ou AdBlock Plus ou d'autres listes qui sont sur le net sous forme de fichiers texte. Vous pouvez rajouter des listes blanches, alors soit vous pouvez sélectionner des applications ou alors des URL ou carrément des fichiers. Voyez, c'est pas très compliqué. Ça, c'est un gros avantage de cette application, c'est qu'elle est très intuitive. Vous pouvez choisir des DNS, donc là par quel serveur elle va se connecter. Vous pouvez laisser par défaut ou choisir un autre, cocher ou activer, enfin désactiver ou activer les notifications. Si vous en avez beaucoup comme moi, 5000, ça fait beaucoup à la minute. Je vous conseille de désactiver. Vous aurez toujours. Alors ça, c'est moi qui ai choisi d'avoir en fond de tâche un truc qui ne peut pas être désactivé pour empêcher l'application d'être tuée par Android. Là, c'est le nombre tout simplement d'URL qui sont considérées comme mauvaises. Et ensuite, vous avez les paramétrages un peu plus poussés. Qui sont là pour vous aider à faire fonctionner l'application correctement. Vous avez un bouton en bas on-off rapide. Il arrive des fois que certaines applications ne fonctionnent pas quand vous activez le bloqueur. Tout simplement parce que certaines applications ont été construites sur un modèle publicitaire très fort. Et si vous les désactivez, ces publicités, l'application ne fonctionne plus du tout. C'est le cas de Google Maps. En soi, l'application fonctionne parfaitement. Il y a un seul truc qui ne va pas fonctionner correctement, c'est le traçage. Quand vous demandez à être localisé par Google Maps parce que vous êtes en train de faire un trajet en voiture ou à pied ou en vélo, eh bien l'application ne va pas pouvoir vous localiser sur la carte, ce qui rend tout simplement l'itinéraire complètement caduc. Si vous savez pas où vous êtes sur votre trajet, c'est complètement con. Donc le bouton on/off est vraiment pratique à ce niveau-là. J'ai pas vraiment grand-chose à vous expliquer de plus. Vous pouvez laisser tout par défaut et l'application fonctionnera parfaitement. Comment l'installer? Vous ne la trouverez pas sur le Play Store, mais sur un autre store qui s'appelle Eldroid. Basiquement, c'est une copie conforme du Play Store, mais elle regorge uniquement d'applications open source. Donc vous allez sur votre navigateur préféré sur votre portable, vous tapez Fdroid, vous téléchargez l'application, vous faites tout ce qu'on vous dit parce que cette application n'a rien de nocif, contrairement à tout le reste. Et sur cette application, une fois que vous avez installé, vous allez appuyer sur le bouton vert en bas à droite, chercher Blockada, voilà comme ceci, et vous cliquez à la place de lancer sur le bouton installer. Et vous voici avec l'application Blockada installée, parfaitement active et qui fonctionne correctement. Et vous allez voir, en moins de 2 heures, vous allez déjà avoir à peu près entre 10 URL bloquées et une centaine. Voilà, en fonction des applications que vous avez sur votre portable, en fonction de l'application, enfin du constructeur, est-ce que le constructeur a mis plein de merde dedans ou pas? Voilà, ça dépendra de votre smartphone et de votre utilisation. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo en masse, vraiment partagez-la ou partagez simplement l'application à tous ceux que vous connaissez. Laissez un pouce bleu ou un pouce rouge, abonnez-vous, laissez des commentaires et je vous retrouve pour d'autres vidéos tuto. À plus.